Aujourd'hui, grand-papa a le goût de commander du poulet pour toute la famille. C'est ça que grand-papa il va faire. Non. Oui, bonjour. Non, en fait, ce serait pour une commande. Je viendrai la chercher. Mais c'est René-Gilles Vigneault-Lévesque. Excellent. En fait, je me demandais c'était quoi le plat du jour aujourd'hui? Parfait. Puis la soupe, c'est une soupe à quoi? Ah, OK, parfait. Merci. Très gentil. Bon, ben excellent, c'est parfait ça. Alors, je prendrais, c'est ça, le plat du jour avec la soupe poulet et nouilles. Pour les enfants aussi, je prendrais la croquée et un sur une pâte. Oh, cuisse, c'est parfait. Une. Oui, de sauce barbecue et jus de pomme, peut-être? Parfait. Oui, en fait, ça va être du jus d'orange, si c'est possible. Parfait. Ensuite, ça serait une salade de Benny. Est-ce qu'il y a une... Ah, oh, grillé, poulet grillé, c'est meilleur pour la santé. Oui, en fait, ça serait peut-être 4 filets de poulet pour finir. Qu'est-ce que j'ai dit? La salade de poulet grillé. Puis je vais finir avec 4 filets de poulet, s'il vous plaît. En fait, c'est 12,80, je pense. Ah oui. Oui, pour toute la commande, s'il vous plaît. Oui. Oui, très bien. Excellent. Parfait. Ça peut être prêt dans à peu près combien de temps? C'est parfait. Merci beaucoup. Non, non, merci. C'est tout pour... Merci. Merci beaucoup. Oui, c'est ça, exact. Puis merci beaucoup de vous être mise au jeu. Merci beaucoup. Très, très agréable. Merci, au revoir. Et voilà, que désirez-vous du poulet puis commandez? C'est facile. C'est un bon risque linguistique quand tu commandes des affaires comme ça au téléphone. Puis ce que tu peux dire, tu peux juste dire, j'ai besoin de savoir combien ça coûterait pour, en utilisant un conditionnel de politesse. Merci beaucoup. À la prochaine!